Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jérôme Énergéticien. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies pour le mois de février pour le signe du Poisson et pour les personnes qui ont l'ascendant ou leur ascendant sont Poisson. Alors, pour commencer, nous allons voir avec l'oracle de la triade. Je voulais découvrir les cartes. Et après, je vais vous les interpréter. Alors pour moi, comment dire, il y aura certaines personnes qui vont devoir pas rendre des comptes, mais qui vont devoir demander des comptes. Et pour moi, c'est pas au niveau familial, mais au niveau amical. Et quand je dis amical, c'est pas c'est pas des amis que vous fréquentez peu, c'est des amis, on va dire, qui font presque partie de votre famille, des amis en qui vous aviez confiance, ou bien vous aviez, parce que vous avez trop fait confiance à ces personnes-là, et enfin, finalement, vous allez vous rendre compte que, moi, je sais pas, ça me parle de trahison, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu de la trahison, et... Pour moi, c'est en rapport avec moi, il y a un cas en particulier qui là, ça me vient, que je ressens. Ça me parle au niveau immobilier. C'est-à-dire que je pense que il y a certaines personnes qui espéraient pouvoir louer. Une maison parce qu'un ami, voilà, vous avez un ami dans la famille qui vous a promis de vous louer, voilà, qui est propriétaire d'une maison et qui vous avait promis de vous la louer lorsque soit parce que les travaux sont pas finis ou parce que cette personne habite encore dans la maison mais qu'elle va déménager d'ici quelques mois, ça peut être 3 à 6 mois. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez apprendre que finalement, cette personne va louer ou va vendre la maison, parce que ça peut être soit par rapport à une location ou à une vente, mais va louer, voilà, soit la louer, soit la vendre à une autre personne. Alors qu'elle vous a promis que, voilà, que ce serait pour vous. Mais pour moi, ça me parle plus de vente que de location, parce que c'est plus ça me parle plus au niveau, parce que au niveau location, il y a une notion de que c'est moins important de perdre une location que l'achat d'une maison, parce que si on vous a promis qu'on vous louerait une maison, la telle maison, et que finalement c'est annulé, voilà, vous pouvez toujours louer une autre maison, parce que louer, c'est plus facile de louer que d'acheter, parce que quand vous achetez, voilà, vous réfléchissez davantage, vous prenez plus de temps à réfléchir pour un achat que pour une location. Et là, la maison en question, vous la vouliez absolument. Cet homme vous était sûr de vous la vendre. Mais au final, presque au dernier moment, on va dire, il a décidé finalement de le vendre à soit un autre couple, ouais, un autre couple, mais en tout cas, voilà, c'est comme si que d'un sens vous êtes fait avoir, pardon. Voilà. Ensuite, nous allons voir avec l'oracle bleu. J'espère que l'oracle bleu va vous apporter une bonne nouvelle quand même, hein, parce que j'aime pas trop apporter des mauvaises nouvelles. Hop là. Vous voyez là. Il y a la carte qui est exactement pareille que le dos des cartes, la fleur de lotus. Voilà, je vous laisse découvrir les cartes. Alors moi dans ce tirage, ça me parle de tromperie, de vous allez vous rendre compte
que votre moitié vous a trompé. Ceci dit, ce sera pas une mauvaise nouvelle pour vous, étant donné que je pense que certaines personnes dans la relation ne s'y sentent pas très bien et souhaitaient justement mettre un terme à la relation. Et là, ce sera le moment justement pour vous de enfin mettre un terme. Pardon, excusez-moi. Comment vous allez vous en rendre compte? Je pense que votre moitié, je pense que ça concerne justement vous les femmes, que votre copain, votre mari vous a trompé forcément avec une personne et que lui a fait un enfant dans votre dos. Et quand vous allez vous en apercevoir, c'est là que ça sera une opportunité pour vous de comment dire, justement de rompre, étant donné que voilà, ce sera une bonne nouvelle, même si vous allez vous sentir, vous allez penser que le monde s'effondre. Pardon. Mais en face, vous avez la carte de la montagne parce que finalement, même si vous espériez quand même que dans la relation, que la relation dans le couple s'améliore, que vous aviez toujours espoir, mais au final, les ressentis que vous aviez, bah, ils ne font que s'accentuer. Voilà. Alors ensuite, nous allons voir avec, pour finir, l'oracle coup de cœur. Je pensais encore une fois, avec l'oracle bleu, vous apporter une bonne nouvelle, mais malheureusement, entre guillemets, c'était pas vraiment une très bonne nouvelle, mais nous allons voir avec l'oracle coup de cœur. J'espère que pour le final, je vais vous apporter quand même une bonne nouvelle. Apparemment, c'est bien parti. Voilà, je vous laisse pardon, découvrir les cartes. Alors, pour moi, les cartes là me parlent de la naissance d'un amour, de la naissance d'une relation, d'une concrétisation. En fait, c'est pour moi, ça parle de une relation qui a eu du mal à se concrétiser, on va dire, à se mettre en place, étant donné que les deux personnes se connaissent déjà, mais n'avaient pas encore passé le cap de l'amour, étant donné que les personnes qui à la base sont amis, pas forcément amis très proches, mais qui sont amis. Et là, le fait qu'ils vont se rencontrer, parce qu'ils vont avoir envie une des personnes va avoir envie de rencontrer l'autre, et ce sera réciproque, et ben le fait de vous rencontrer réellement, d'avoir un contact, on va dire, physique, de voir physiquement, voilà, en vrai, la personne, ça va créer certains désirs, ça va même créer justement des sentiments que vous n'aviez pas lorsque la relation n'était que uniquement amicale et virtuelle. Voilà. Alors, je vous souhaite un excellent mois de février. Je mettrai en dessous de la vidéo le lien de mon compte Facebook si vous souhaitez une consultation et aussi me demander un ami. Et je vous souhaite une bonne journée.